Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer une astuce pour réaliser le God Mode du premier coup à tous les coups sur Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce God Mode fonctionne sur toutes les maps, mais pour réaliser le God Mode du premier coup, il vous faudra absolument un Cronus Max Pro. Donc, si vous n'avez pas de Cronus Max Pro, dans la description de cette vidéo et en commentaire, je vous mettrai un lien qui vous dirigera vers l'achat d'un Cronus Max Pro. Donc ça coûte plus ou moins 60-70 euros. Mais sachez que c'est très efficace parce que cette clé USB va vous permettre de faire des manches en illimité, de faire le God Mode en un seul coup, de faire extrêmement beaucoup de choses et je l'utilise très souvent, donc je mets beaucoup de scripts à la disposition de mes abonnés pour ceux qui ont un Cronus Max Pro. Si vous n'avez pas de Cronus Max Pro, j'ai posté deux autres vidéos qui expliquent comment réaliser le God Mode, mais bon, c'est un peu compliqué à faire, c'est un peu délicat, donc c'est là que Johnny me dit « Ouais, pourquoi tu fais pas un script pour faire le God Mode ?» Et grosse dédicace à toi, Johnny34, parce que j'y avais pas pensé. Et en fait, là, j'ai créé le script grâce à Johnny34, et là, je peux me permettre de le partager à vous pour ceux qui ont déjà un Cronus Max Pro. Alors, pour que le script fonctionne, il faudra avoir un masto, il faudra avoir un hélicoptère d'attaque et il faudra avoir un cocktail Molotov. Donc le Molotov, vous pouvez l'avoir dans la table de craft où justement vous pouvez acheter l'hélicoptère d'attaque. Alors très important, il vous faudra Masto parce que j'ai fait le script avec Masto. Quand vous êtes équipé de tout ce que je viens de vous dire, il faudra bien entendu mettre le script que je mettrai en description et en commentaire dans votre clé USB Cronus Max Pro. Et ensuite, regardez vos pieds et faites flèche de gauche. À ce moment-là, le script va commencer à lancer un cocktail Molotov et va activer l'hélicoptère d'attaque au bon moment, ce qui vous rendra en God Mode. Alors bien entendu, si vous êtes en solo, il vous faudra au moins une auto-réanimation. Si vous êtes à plusieurs, il faudra que votre pote vous réanime. Alors très important, dès que vous êtes en God Mode, donc dès que vous êtes réanimé, réappuyez sur flèche de gauche pour désactiver le script. Sinon, il va se jouer en illimité, il va réactiver l'hélicoptère d'attaque et si vous réactivez l'hélicoptère d'attaque, vous perdez votre God Mode. Donc il faudra tout recommencer. Alors quand vous êtes en God Mode, vous êtes invincible contre tout type de dégâts. Donc vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous allez pouvoir faire les camouflages, les niveaux de vos armes, le Dark Eater, être maître prestige niveau 1000 et vous allez pouvoir passer des manches en illimité. Alors pour ceux qui veulent passer des manches en illimité, je vous conseille d'aller à la terrasse parce que tout simplement les manches passeront plus rapidement là. Et en plus de ça, si vous avez l'arme spéciale DCD Nova 5, vous avez juste à tirer à vos pieds et à recharger vos munitions en aspirant les zombies pour passer les manches en illimité. Et en plus de ça, je vous mettrai un script en description que vous pourrez mettre en deuxième slot sur votre clé USB pour justement que votre arme spéciale tire et recharge en illimité plus activer son spécialiste en illimité sans que vous n'ayez rien à faire. Donc ça jouera à votre place. Et pour ça, il faudra juste le mettre sur votre clé USB sur un autre slot que le God Mode. Ensuite, cliquez sur le bouton de la clé USB pour mettre le mode 2 et ensuite appuyez sur flèche de gauche pour activer le deuxième script. Alors ce qui est génial avec ce script, c'est que le 4 février, il y aura la nouvelle map en mode zombie qui va sortir. Si le glitch n'est pas patché, ça voudra dire que quand la nouvelle map sera là, je pourrai faire mon glitch en appuyant sur une seule touche sur la nouvelle map. Comme ça, je pourrais être en God Mode et je pourrais facilement faire des tutos ou carrément chercher le secret. Donc franchement, ça va être fort utile s'il ne patche pas le glitch. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Je fais encore une grosse dédicace à mon poteau Johnny34 qui m'a donné l'idée de faire un script pour ce glitch justement. Donc merci à toi poteau et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.